Dans cette séquence, on va essayer de lever un petit peu le voile sur ce mot mystérieux qui sont les instabilités MHD. Avant de faire ça, moi j'aimerais passer un petit peu en vue les modes instables qu'on trouve dans la nature en montrant qu'il y en a à toutes les échelles. Donc dans une séquence précédente, on a évoqué la petite convection qui se produit dans une paella. Ça c'est à l'échelle du centimètre, quoi. Vous avez exactement la même chose dans l'atmosphère avec une couche qui fait 1000 mètres d'épaisseur. Ce sont les cumulus, hein. Et lorsqu'on fait du vol à voile et que le temps est beau, il n'y a pas de vent, bon, bah, au début, l'atmosphère est stable. Le soleil échauffe le sol. C'est comme quand vous commencez à chauffer votre poêle. Donc vous avez de l'air chaud en dessous. Et puis au début, la chaleur se transmet par conduction, comme ça, en couche parallèle. Et tout d'un coup, c'est instable, et on dit ça déclenche. Et à ce moment-là, clac, il y a des instabilités qui se déclenchent, et il y a des colonnes ascendantes qui se manifestent. Et à ce moment-là, on a des colonnes d'air chaud, des ascendances, qui emmènent l'air chaud en altitude jusqu'à 1000 mètres. Une fois que cette air est arrivée, on appelle ça les cellules de Maynard, ça redescend en périphérie. Alors, il y a une chose que vous avez remarqué dans le ciel, quelquefois, il y a des séries assez régulières de cumulus. Et le cumulus, c'est pas une masse de cotonneuse qui est posée sur une ascendance d'air, c'est simplement que c'est de l'air humide qui monte, et en montant d'altitude, il se détend, puisque la pression est plus faible, la température baisse, et boum, ça se condense. Donc le cumulus, c'est simplement, dans cette espèce de cycle que suit l'air qui monte et qui descend, eh bien, dans la partie la plus en plus haute altitude et en basse température, ça se condense, puis après, quand ça redescend, eh bien, ça se revaporise, quoi, c'est tout. Et là, vous avez un système qui peut être stable. Mais ce système-là, bah, il peut dégénérer. Ça s'appelle des cumulonimbus, ça s'appelle des orages. Alors, au lieu de monter à 1000 mètres, bah, à ce moment-là, la cellule convective va monter à 8000 mètres. Ça va faire des choses déjà plus considérables. Puis là, après, bah, vous avez des instabilités dans l'atmosphère qui s'appellent les trombes, les cyclones. Les cyclones, c'est quand même pas mal à l'échelle de la planète. Prenez une photo de cyclone, c'est grand, hein, ça fait des dégâts déjà. Donc, vous voyez, on arrive déjà à cette notion de macro-instabilité. Hein. Bon, alors ça, c'est pour l'aérodynamique. Maintenant, vous avez également, dans la Terre, les réactions nucléaires dégagent de l'énergie. Il y a de l'uranium-235 dans la Terre, il y a des substances comme ça qui se décomposent, et ça dégage de la chaleur. Cette chaleur, il faut qu'elle soit évacuée. Alors évidemment, l'évacuation se fait avec une lenteur chamelière, et vous avez un transport par conduction, mais aussi par convection, et cette convection, ben, ça entraîne la dérive des continents. Et puis vous avez également des colonnes de magma ascendantes qui donnent des points chauds, et les îles d'Hawaï, elles sont situées au-dessus d'un point à chaud ascendant, comme ceci. Donc vous voyez, on retrouve le même mécanisme. Là, on est passé du 2D avec le cyclone, là on est dans le 3D avec le manteau magmatique, hein. Et puis vous savez aussi que de temps en temps, cette espèce de circulation magmatique, eh bien, ça ne se passe pas calmement, il y a des éruptions volcaniques assez violentes, il y a des séismes, il y a des tsunamis, tout ça ce sont des règlements de compte dans lesquels l'énergie s'évacue plus ou moins brutalement. Et puis donc ça, on est toujours dans le domaine des macro-instabilités. Il y a aussi un autre type d'instabilité que vous avez sous les yeux, c'est la fumée de cigarette. Bien qu'il ne soit pas recommandé de fumer, il y a longtemps que j'ai arrêté, vous mettez une cigarette dans votre cendrier et vous avez un filet de fumée qui monte bien régulièrement sur quelques dizaines de centimètres si l'atmosphère est très calme. Et tout d'un coup, boum, la turbulence se déclenche, et à ce moment-là, vous avez des volutes. Donc, vous voyez, là, vous avez des systèmes dans lesquels quelque chose cherche à s'échanger, et dans le cas de la fumée de cigarette, c'est pas tellement la chaleur qui va s'évacuer, c'est la différence de vitesse. Hein. C'est comme un sillage qui devient tout d'un coup turbulent. Vous avez, par exemple, une aile d'avion, bah, au bout d'une aile d'avion, à l'intrado, vous avez une surpression, à l'extrado, vous avez une dépression, et tout ça, ça donne des tourbillons marginaux.
Et c'est pas possible de fabriquer un avion sans tourbillons marginaux. Ça n'existe pas, quoi. On arrive à les réduire un peu avec les winglets maintenant, mais on a mis du temps à inventer une solution de ce genre. Mais il reste toujours quelque chose. Il y a un petit tourbillon au bout du winglet. Il est moins important, quoi. Donc, vous voyez, on vit avec des tourbillons de tous les côtés. Vous n'êtes pas capable de faire votre cuisine et de vous faire cuire des pâtes sans qu'il y ait de la turbulence. Sinon, ça marchait pas. Et je dirais même la chose suivante. C'est que vous avez des instabilités, de la turbulence dans vos cylindres de voiture, et s'il n'y avait pas de turbulence, les voitures ne marcheraient pas. Donc il ne faut pas jeter les instabilités aux orties, elles sont souvent fort communes pour arriver à faire sa cuisine, et arriver à faire marcher ses voitures, et arriver à avoir une combustion suffisamment rapide, quoi. Bon. Alors, il y a maintenant une chose très intéressante, ce sont les micro-instabilités. Et les micro-instabilités, c'est celles qu'on ne voit pas. Et moi, je disais, en discutant avec un physicien des plasmas, il pourra vous dire que, question instabilité, on est gâté, parce qu'on a les instabilités qui font plusieurs mètres et qui fluctuent comme des vagues de la mer avec des dizaines de secondes de période, et on a des micro-instabilités qui font des microns de large et qui naissent et disparaissent en quelques nanosecondes. Ils ont toute la palette possible. Ils sont gâtés complets. C'est-à-dire qu'en mécanique des fluides, c'est déjà pas mal, mais alors physique et plasma, avec en plus l'électromagnétisme, c'est la totale au point de vue des instabilités. Donc, un exemple de micro-instabilité, eh bien, si vous allez faire du vol à voile, vous verrez que les planeurs modernes, c'est des trucs absolument extraordinaires. Quand vous caressez l'aile d'un planeur, il y a un poli miroir. Et effectivement, les gens qui entretiennent les planeurs, quelquefois quand ils refont leur vêtement, ils sont en train de le polir une fois, deux fois, trois fois. C'est jusqu'à ce qu'on ait vraiment... Et c'est très important parce que on cherche à ce que les filets d'air circulent sur le profil de manière laminaire. Laminaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'aile du planeur pénètre dans l'air, donc il y a une différence de vitesse entre la vitesse ambiante et la vitesse zéro sur l'aile. Et entre les deux, ben, on a des couches de vitesse différentes. Et si l'écoulement s'effectue avec des couches qui glissent les unes contre les autres, on appelle cet écoulement laminaire. Mais c'est instable, et au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine longueur, dans certaines circonstances, ça se met ondulé. Et ce mécanisme, c'est pas quelque chose qu'on voit à l'œil nu, quoi. Mais ça a un effet qui est de permettre à la quantité de mouvement de se transférer beaucoup plus intensivement. La friction est plus importante, la traînée du planeur augmente. Alors si vous voulez, sur les planeurs modernes, c'est dommage que je n'ai pas la maquette à la main, sinon je la montrerais, sur un duodiscus par exemple, vous avez une finesse de 52. C'est-à-dire que quand vous avez 1000 mètres de différence de hauteur, de gain d'altitude, vous voyez le terrain qui est à 50 km, vous dites ça va, je rentre. Hein, bon, parce que c'est incroyable un truc pareil. Maintenant, quand vous rentrez votre planeur dans le garage, vous nettoyez les ailes avec une éponge et de l'eau, et après vous mettez des chaussettes sur les ailes pour éviter que les poussières se déposent. Parce que si vous ne faites pas ça, et si vous laissez les moustiques crotter sur vos ailes, le lendemain, quand vous voulez, c'est plus 52 de finesse, c'est 31, quoi. Ça dégringole, quoi. Disons qu'un planeur qu'on aurait laissé des mois dans le garage avec des poussières collées, c'est inimaginable. Donc autrement dit, avec des objets minuscules comme des poussières, vous pouvez déclencher ce qu'on appelle à ce moment-là la turbulence, et cette turbulence a comme effet d'accroître la friction, et c'est pas le cas pour des planeurs. Dans ce transport, il y a aussi un transport de chaleur. Par exemple, sur une navette spatiale, il y a également un transport laminaire ou un transport turbulent de chaleur. Et la turbulence, ça transporte encore plus la chaleur. Donc, ce phénomène-là, à chaque fois, il apparaît pour qu'on évacue quelque chose. Là, on évacue de la chaleur. Et ça peut être fait avec des toutes petites choses. Et alors, on va voir dans les plasmas que dans les tokamaks, il y a des poussières qui correspondent à des choses arrachées aux parois. Et ça crée des micro-turbulences et on est incapable de maîtriser ce genre de choses. Alors maintenant, revenons un peu au plasma et au tokamak, et voyons un petit peu qu'est-ce qu'on peut envisager comme type de turbulence. Ben, il y a des macro-turbulences, il y a le fait que les lignes de champ magnétique qui sont dans le tokamak, elles n'ont pas toutes le même pas. Donc, d'une couche à l'autre, il y a une sorte de différence angulaire. Et à ce moment-là, ça peut créer une espèce de glissement avec un changement topologique, avec l'apparition d'îlots magnétiques. Enfin, c'est très embêtant, un truc comme ça. Bon, ça c'est des trucs à grande échelle. Et quand on voit des simulations, parce que
On pourrait dire qu'il y a deux types d'images qu'on vous montre. Ah, je ne sais pas si on pourra les montrer à l'image, parce qu'il y a des vidéos là-dessus. On peut donner l'adresse de la vidéo au minimum. Mais il y a la vidéo standard pour le Pékin moyen, où on voit le démarrage du tokamak, tout se passe bien. Et vous voyez un beau tore de plasma bien rosâtre qui se met, c'est magnifique. Et puis il y a un gif animé à telle adresse dans le site du Sudak, qui est merveilleux, qui vous montre comment ça se passe en fait. C'est-à-dire qu'on voit le truc qui gigote terriblement, quoi. Et en fait, les gens qui sont spécialistes des plasmas diraient, vous savez, quand on fait une expérience, ça gigote pas mal, quoi. Alors, il y a même une chose intéressante à connaître, c'est que lorsqu'on change d'échelle, par exemple, Paul-Henri Rebut, français, avait donné à la France le ruban bleu de la fusion de 73 à 76. Ah oui, cocorico, comme une fois de temps en temps, ce type-là extrêmement brillant, conçoit un tokamak très astucieux, qui est monté en un an, et crac, les Russes avaient obtenu 20 millions de degrés pendant une milliseconde, et là, Rebut obtient 20 millions de degrés pendant 10 millisecondes. Et le monde entier est sidéré, donc tiens, les Français arrivent. 3 ans, il garde cette avance pendant 3 ans, quoi. Donc à ce moment-là, cette machine-là faisait 1 mètre cube de volume, et sur la base de ces résultats-là, qui ont été très importants dans la conception du JET, c'est-à-dire du Joint European Torus, conception à laquelle Rebut a activement participé, on est passé de 1 mètre cube à 100 mètres cubes. Donc là, il y avait quand même une extrapolation considérable. Et il y a un livre très intéressant qui a été écrit par un des concepteurs du JET qui s'appelle Wesson. Et cette description de ce qui s'est passé avec le JET, on a découvert quelque chose qu'on appelait VDE, Vertical Event Displacement, c'est-à-dire le fait tout d'un coup que le plasma dégringole et tombe en bas. Et ça, on n'avait pas prévu ça. C'est donc un événement imprévu, et il a fallu agir en conséquence, parce que les effets n'étaient pas négligeables, c'est pas du tout de la rigolade. Et quand j'ai dîné avec Sergueï Kudbinski, je lui faisais remarquer justement que quand on avait extrapolé depuis le tokamak de Fontenay-aux-Roses jusqu'au JET, il y avait quelque chose d'imprévu qui s'était produit. Et je lui ai dit qu'en passant du JET à ITER, on allait aussi avoir peut-être quelque chose du même genre. Et il a eu cette réponse sérieuse, il m'a dit « À quel type de phénomène imprévu songez-vous » Alors j'aurais pu lui dire « Tout est prévu au sens où il y a une équipe qui s'occupera de gérer l'imprévu. » Hein. Mais l'imprévisible, c'est très embêtant, surtout quand on met 15 milliards sur la table. Quoi. Bon, hein. Alors donc... il y a cette espèce de macro-instabilité. Maintenant, il y a une autre instabilité proche de la paroi. Hein, dans les plasmas, on appelle ça les ELM, E-L-M, Edge Localized Mode. C'est les modes localisés au bord. Hein. Ben, voilà un type d'instabilité qui se produit au bord quand il y a des marées. Hein. Ça se produit plutôt en Bretagne, parce que dans le Midi, il n'y en a pas beaucoup. Bon. Mais en Bretagne, vous avez l'eau qui s'en va. Et je me rappelle, la plage de la Baule, quand on se promène après sur le sable mouillé, quand vous regardez, vous avez des trucs qu'on appelle les ripple marks. C'est-à-dire des marques en adulation, et ça, c'est lié au mouvement de reflux de l'eau de mer. Il y a une instabilité avec une espèce de conjugaison entre la géométrie de la paroi, c'est-à-dire le sable et l'eau de mer, et ça laisse ces traces-là. Bon, ben, on a ce genre de choses dans les tokamaks, on a des instabilités de bord. Hein. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'image de la casserole qui fait flop-flop avec les instabilités en dents de scie. Ensuite, il y a les macro-instabilités. Il y a toute une tapée, quoi. Hein. Les instabilités de bord. À ce sujet, les gens du projet ITER pratiquent périodiquement des effets d'annonce. Alors c'est assez amusant parce que on voit apparaître, on a découvert que, alors que souvent c'est des vieux trucs d'il y a 20 ans qu'on ressort, par exemple, les Coréens, il y a un an ou deux, avaient annoncé qu'ils pouvaient lutter contre les instabilités de bord en contrôlant le champ magnétique activement, quoi. Alors là, vous pouvez imaginer une casserole intelligente. C'est-à-dire que vous achetez une casserole qui a une électronique extraordinaire, vous la mettez sur votre poêle, sur votre plaque chauffante, et si on détecte tout d'un coup une ascendance, à ce moment on va varier la température au fond de la casserole pour que ça ne se produise pas, quoi. Vous voyez. Donc là, il y a une espèce de lutte contre les instabilités qui est une sorte de combat complètement désespéré.
L'instabilité la plus méchante, c'est la disruption. Alors, la disruption, on va commencer par décrire comment ça se passe. Et ça, je crois que le plus simple, c'est de montrer des courbes. Donc là, sous les yeux, vous avez une courbe. Et donc, dans le fonctionnement du tokamak, vous avez vu qu'au début, on chauffe ce plasma. Donc, il y a une montée en température avec un palier. Et là, regardez, clac, vous avez une chute verticale. Alors, chute verticale, on se dit, mais à quelle échelle que ça se produit? 1 millième de seconde. C'est-à-dire que le plasma perd son énergie thermique en 1 millième de seconde. Il la perd de manière radiative. Donc à ce moment-là, il y a une émission de rayonnement extrêmement dommageable pour la paroi. Alors on pourrait se dire, mais quelle est la cause de ce genre de choses? Eh bien la réponse est qu'on n'en sait rien. Et les disruptions majeures, on les connaît depuis les années 60. Ça fait donc 50 ans qu'on joue avec. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et vous pourrez lire dans des publications une théorie disant que quelque chose qui se produit au bord, qui se propage au centre, et l'autre, il dira que ça naît au centre, ça se propage au bord. C'est extraordinaire, un truc pareil. Alors ensuite, bon, dans la mesure où on ne sait pas... Ah oui, j'ai trouvé merveilleux, c'est que j'ai eu un théoricien des plasmas au téléphone, et à un moment, je lui ai dit, mais est-ce qu'on sait à quoi sont dues les disruptions? Il m'a dit, oui, on sait, hein, c'est dû à quoi? C'est dû aux instabilités MHD. Ça, c'est une réponse à la Molière. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pour ça que votre fille est muette, quoi. Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis physicien des plasmas, j'ai même été théoricien de certains types d'instabilité MHD, pourriez-vous m'en dire plus? Là, il peut pas, quoi. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire de voir que dans ce domaine-là, depuis 50 ans, après 50 ans d'efforts, il y a une part d'empirisme liée au fait qu'on ne comprend pas. Et dans la réponse que le CEA a faite dans son site de 10 pages, on répond, mais on maîtrise très bien la situation grâce à des lois ingénieurs. Mais qu'est-ce que c'est des lois ingénieurs? Quand j'étais étudiant dans une grande école, on appelait ça des recettes de cuisine, quoi, vous voyez. Et en fait, quand vous prenez une machine quelconque, il y a un domaine d'utilisation. Par exemple, pour un avion, il y a un domaine de vol. Hein, je vous dis, quand vous volez sur un type d'appareil, vous avez une indication comme quoi il ne faut pas descendre en dessous de telle vitesse, parce que sinon vous décrochez. Vous voyez aussi une indication comme quoi il ne faut pas dépasser telle vitesse, sinon ce sont les ailes qui se détachent. Mais si vous avez la prudence de rester quand même dans cette gamme de vitesse et dans cette configuration, bon, ça devrait aller, quoi. C'est comme la charge. Bon. Et pour les tokamaks et pour les machines commitaires, les gens ont cherché à cerner des limites de densité. Et au-delà d'une certaine densité, ces machines devenaient instables et que cette densité dépendait de la taille de la machine, dépendait de l'intensité du courant plasma. Il y a une loi là-dessus, mais une loi tout à fait empirique, quoi. Et si on dépasse ça, alors il y a risque, quoi. Et alors, dire qu'on a trouvé ça, on est tout content, mais d'où ça vient, ça je ne sais pas, mais j'ai remarqué que vraiment ça marchait assez bien, quoi. Donc ce sont des recettes. Donc vous avez un domaine comme ça qui est décrit dans les thèses, dans les publications, et ce qui est fantastique, c'est que c'est pas gagné à tous les coups. C'est-à-dire que on peut très bien mettre un tokamak dans son espèce de domaine de sécurité, et quand même, il y a une distribution qui va se produire. Alors là, je vous montre une des planches qu'on trouve sur le PowerPoint de Jourdain et dans la thèse de Reux ou de Thurston, parce que cette planche a vraiment fait beaucoup d'effets. Ça représente les 24 causes possibles des disruptions, quoi. Hein. Et l'écran est trop petit pour qu'on puisse lire ce qui se trouve là-dedans, mais vous avez là-dedans comme cause possible l'erreur humaine, le truc qui casse, vous avez des choses qui provoquent une disruption immédiatement, c'est une fuite. Donc si vous avez du gaz qui rentre, tac, c'est bon à tous les coups. Vous avez également un truc qui, en anglais, est appelé UFO, et en français, c'est OVNI. Et c'est un objet volant non identifié, et en fait, c'est un morceau qui se détache de la paroi, quoi. Et il y a plein de films comme ça où il y a des trucs qui se détachent. Et ça, hop, disruption. Et il y a aussi une cause de disruption qui nous ramène à ce que je disais tout à l'heure sur la microturbulence, c'est les poussières.
Et les poussières sont capables de créer des mini-turbulences image D qu'on ne sait pas modéliser, qu'on ne sait pas mettre en évidence, et qui peuvent justement entraîner ce décrochage complet de la machine comme ça. Et ces poussières, ben, d'où est-ce qu'elles viennent? Mais elles viennent d'une fait qu'on ne peut pas éviter l'abrasion de la paroi. Et là, par exemple, quand on a commencé à imaginer qu'on puisse transformer les tokamaks en générateurs à fusion, ben, on avait mis au départ une paroi à l'intérieur qui était en CFC, c'est-à-dire en composé de carbone. Et le composé de carbone, ça se sublime à 2500 degrés. Mais malheureusement, il s'est passé la chose suivante, c'est que des particules rapides percutent ces plaques de carbone, détachent des atomes, c'est même pas des poussières, c'est carrément des atomes. Et ces atomes, ils ont une seule habitude, c'est qu'ils se composent avec l'hydrogène pour faire des carbures. C'est du H2, c'est H4, etc. Bon, alors, tant que c'est des carbures de deutérium, ça va, mais s'ils sont des carbures de tritium, c'est radioactif. Et en plus, non seulement ces molécules de carbure se forment, mais elles se retanguent dans le carbone et elles s'enfoncent dedans. Ce qui fait que en 2007, on a dû abandonner le carbone en tant que structure de revêtement, parce que sans ça, on aurait dû changer le revêtement interne tous les X temps. Oui, et ça, c'était pas... Voilà, le truc imprévu. Hein, c'est-à-dire qu'il a fallu des années de travail sur une machine comme Tor Supra pour arriver à la conclusion, non, le carbone, c'est pas bon. Alors, si le carbone, c'est pas bon, il faut essayer autre chose. Il faut essayer un matériau magique. Alors, on va essayer le beryllium. Bon, là encore, on va reparler d'autres types de stabilité. Donc, restons dans cette histoire de disruption. Qu'est-ce qui cause les disruptions? On n'en sait rien. Ensuite, ces disruptions se traduisent par une perte de température, donc une envolée de la résistance du plasma, donc l'intensité de plasma dégringole, et à ce moment-là, il y a des effets d'induction qui créent des forces colossales dans les structures. Et à ce moment-là, les gens d'ITER répondent, mais ITER a été dimensionné en conséquence. Bon, ben, Dieu nous entende, quoi, je veux dire. Et en plus, j'ai évoqué le fait que quand il y avait des éruptions solaires, il y avait accélération de particules jusqu'à des vitesses relativistes. Mais il se passe la même chose dans les disruptions. Et on a prévu dans ITER des intensités de courants disruptifs de 11 millions d'ampères. Donc ce sont des courants d'électrons qui ont des énergies entre 10 et 20 mégaélectronvolts. C'est-à-dire qu'ils ont des vitesses qui font de l'ordre de 99% de la vitesse de la lumière. Et je vous donne un chiffre que j'ai vérifié. La profondeur de pénétration de tels électrons dans une couche de beryllium est de 3,5 cm. Et là encore un chiffre que j'ai obtenu la semaine dernière de Pudvinsky, l'épaisseur de beryllium qui est prévue pour ITER, c'est 1 cm. Alors s'il y a une disruption qui est capable de pénétrer 3,5 cm, on le sait, qu'est-ce qu'on va faire avec cette couche d'un centimètre? Et Pudvinsky m'a dit, oui, mais les électrons accélérés, ils arrivent tangentiellement. Et je lui dis, mais regardez les photographies qu'on a faites sur JET, ce sont des cratères, ça ne ressemble pas du tout à des impacts tangentiels. Là, il n'y a pas eu de réponse. Donc vous voyez, là-dedans, nous sommes face à un fou artistique absolument extraordinaire. Donc, des disruptions se produisent, il faut lire les thèses de Thurston et Reux, parce qu'ils décrivent les choses pas mal, quoi. Ils ont fait pas mal de couper-coller dans des choses qui existaient, mais on a un petit survey assez... Alors, on sait, par exemple, que elles sont pas évitables et que souvent quand ça démarre on peut rien faire, quoi. Et le problème c'est de trouver des signes précurseurs, et il y a des tas de disruptions qui n'ont pas de signes précurseurs, on ne sait pas pourquoi elles ont démarré. Il y a même dans les tableaux américains mystery disruption, disruption mystère, c'est non seulement ça s'est produit, on ne sait même pas pourquoi, voilà. Donc vous voyez dans ce truc là c'est un problème qu'on essaye de minimiser dans une machine qui correspond à une extrapolation, ça peut être encore plus violent. Alors, je m'excuse, je suis technique, mais il faut quand même parler de ces choses-là, et je pense que les gens sont capables de comprendre ça. Donc, j'avais dit que dans les éruptions solaires, le gradient de champ magnétique, la variation de champ magnétique pouvait accélérer les particules jusqu'à des vitesses relativistes. C'est pareil dans les tokamaks. Hein. Et je vous dis, la vitesse, c'est 99% de la vitesse de la lumière. Et ces trucs-là, ça fait des dégâts considérables. Bon. Et alors, il se passe aussi un autre phénomène qui vient aggraver les choses, c'est un phénomène d'avalanche. C'est-à-dire que lorsqu'on a un électron qui est accéléré à vitesse relativiste,
il rentre en collision avec un brave électron thermique qui va tout doucement, qui n'a rien demandé à personne, et boum, il accélère. Et à ce moment-là, de proche en proche, avec un petit nombre d'électrons relativistes, on arrive à en fabriquer une tripotée. Alors sur Torsupra, le coefficient d'amplification est 10 000. C'est-à-dire chaque électron relativiste peut fabriquer 10 000 autres électrons relativistes. Et tenez-vous bien, ça, Glenn Verden, qui s'occupe de la fusion à Los Alamos, insistait là-dessus, on évalue le coefficient d'amplification dans ITER à 10 puissance 16, c'est-à-dire 1 avec 16 zéros. C'est-à-dire que la décharge d'électrons relativistes, c'est le danger majeur dans les disruptions, quoi, c'est évident. Hein. Et donc, là-dedans, on a un petit peu évoqué tout ce qui pouvait se passer en matière d'instabilité. J'aimerais pouvoir être plus technique et descendre plus dans ce genre de choses, mais simplement, tout ce que vous trouvez dans la nature, vous le retrouvez dans un tokamak. Hein. Et simplement, c'est naturel, c'est normal, parce que vous avez de l'énergie, et ce système essaye d'éjecter cette énergie à l'extérieur. Et il cherche tous les moyens possibles pour y arriver. Donc, autrement dit, avoir un truc... Et alors même, ce que diront des spécialistes, c'est que on peut trouver un domaine de fonctionnement qui ait plus de chances d'être stable, mais à ce moment-là, on ne tire plus d'énergie. C'est-à-dire, plus on veut avoir d'énergie, plus c'est instable, c'est tout. Donc, c'est ça qui fait conclure à Revu que lui, il est très sceptique sur le fait qu'on arrive à tirer de l'énergie d'ici la fin du siècle. Alors, est-il raisonnable d'engager des sommes pareilles dans une expérience qu'on présente comme étant la préfiguration d'un générateur qui n'existera peut-être jamais ?